Amrou Akadmonim. Alors, les premiers âges ont dit, les premiers philosophes ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui yesh la nefesh briyut vacholi, que moi j'y yesh la gouf briyut vacholi, que le. De la même façon, que l'âme, elle a une bonne santé ou une maladie, comme le corps a une bonne santé et une maladie. Puisqu'on est en train d'expliquer comment on va accomplir les Pirkei Avot. Alors tu dois savoir que, comme tout le monde sait que le corps il peut être malade ou en bonne santé, cholé ou bari, eh bien, il te dit, là, l'âme aussi, elle a la même ressemblance. D'accord ? Ou briyut hanefesh, hi. C'est quoi la santé de l'âme ? D'accord ? Ou briyut hanefesh, la santé de l'âme. Comme il y a la santé du corps et la maladie du corps, il doit y avoir la santé de l'âme et la maladie de l'âme. La santé de l'âme, chez Tiyé, Techunata, ou Trunat Chalakea, Trunot, chez Taase, Baen Tadir, Atovot, Vapeulot, Aneutot. C'est quoi la bonne santé pour l'âme? C'est quelle est la capacité, la faculté, pas seulement l'âme globale, mais dans tous ses détails, dans toutes ses parties, la capacité de faire toujours des choses bien et des actions indispensables. Pas des suicides, pas des actions qui la tuent, mais des actions qui l'équilibre. D'après la morale et d'après les comportements des créatures. Vecholia, c'est quoi la maladie de l'âme? Ou chetie, trunata ou trunat rakea, c'est quand l'âme elle est portée à. Elle a la capacité, elle et ses différentes parties qui la composent. C'est d'arriver toujours à faire des choses mauvaises, hein, une capacité de faire du mal, mais à peulot, à megunot, et faire des actions dégoûtantes. D'accord? Donc voilà, un corps bari, donc c'est quelqu'un qui est sain, qui a une âme saine, c'est quelqu'un qui cherchera toujours à faire des actions constructives, aider, et dans tous les éléments de l'âme, de faire du bien moral sur terre. Et la maladie de l'âme, c'est quand on est attiré à satisfaire toutes les mauvaises choses qu'on a en soi. Omnam, malgré tout, briyut haguf vecholio, Menechet Arefuat Tarkor Alav. Il te dit, c'est vrai que la santé du corps
Et la maladie, c'est un métier qui est réservé à des médecins qui recherchent ça, qui analysent. Enfin, à l'époque du Rambam, en tous les cas, la médecine, c'était une médecine naturelle, c'était pas une médecine chimique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on savait, on connaissait la propriété des plantes et des substances qu'il y avait dans le monde. Et donc, un vrai médecin, c'était un médecin qui était capable de savoir que pour telle maladie physique, il faut faire. Pour administrer tel produit. Alors aujourd'hui, c'est très technique. Dès que quelqu'un a un problème, hop, on fait des analyses, on vérifie son sang, son urée, son cholestérol, et à partir de là, on ne cherche pas à savoir si c'est une maladie particulière. On dit, vous avez telle et telle anomalie dans les analyses, donc vous allez prendre tel produit pour enlever ça. C'est pas sûr du tout que ce soit toujours vrai. D'accord ? Bon, c'est vrai qu'on a fait des progrès énormes par rapport au Rambam. Parce que les gens d'aujourd'hui, ils sont plus malades. La plupart des gens meurent en bonne santé. D'accord ? Et vieux, alors qu'avant les gens étaient moins jeunes et malades. D'accord ? Et là on est obligé, puisqu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'épidémie, il y a beaucoup plus d'hygiène. Les gens vivent donc beaucoup plus longtemps, et donc automatiquement on est obligé de s'affronter à des problèmes beaucoup plus tard. Alors qu'avant, une femme a été veuve à 40 ans, 50 ans. Donc il n'y avait pas tellement de problèmes de shlombaït aussi. Il risquait pas d'avoir des problèmes de shlombaït, puisque où le mari mourait à la guerre, ou il mourait dans le travail, mourait d'une épidémie, et donc, hop, les veuves étaient pouvaient pas se plaindre de la mort de leur mari, puisqu'il était mort très tôt. Donc maintenant, il faut se coltiner, les conjoints doivent se coltiner l'un et l'autre, jusqu'à 90 ans, 80. Donc c'est pour la médecine, il faut qu'ils arrivent à surnager tout ça. D'accord ? Donc on voit qu'à ce niveau-là, on a bien réussi. Mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau de la connaissance du corps et des produits, à l'époque du Rambam, les docteurs n'étaient pas des imbéciles. Ils avaient moins de connaissances techniques qu'aujourd'hui, mais ils avaient une connaissance plus profonde. Alors il te dit, c'est vrai que là, on est en train de parler des maladies de l'âme. Il te dit, c'est vrai que les maladies du corps, ça, là, elles sont confiées aux médecins qui vont s'occuper du corps. Ou comment chez Cholé Agouf, Yedamou, les FCED, HOTM, et il te dit, de la même façon que les maladies physiques, elles donnent l'illusion de perdre la sensibilité des choses, d'accord ? Et c'est intéressant parce qu'il dit, d'où le Rambam a utilisé cette formule de Yedamou, donner l'illusion, il dit, si on apprend de l'Esther. Quand il lui a dit Mordechai, Ron, Alt et Dami Benafcher, ne t'illusionne pas que si tu vas pas chez Achashverosh, tu vas rester. Tu vas t'en sortir. Donc, Dimayon, ouais, c'est l'illusion, l'imagination. Donc, dans les maladies physiques, la personne s'imagine qu'elle perd une sensibilité à quelque chose. Mais ma chez Ouma, par exemple, une chose qui est ta mère, chez Ouma Tok, elle va croire qu'elle est douce. On va renverser les goûts. D'accord ? Le fait que une chose amère lui semble douce, et une chose qui est douce lui semble amère.
D'accord ? C'est un phénomène. Bon, déjà au niveau, comme je dis toujours, il y avait un... les gens qui apprennent à faire du vin, hein, les œnologues, le Yannan, il t'apprend qu'il y a quatre zones sur la langue. D'accord ? Il y a quatre zones. La zone du sucré, la zone du salé, la zone du piquant et la zone du de l'acide. Il y a quatre. Vous coupez la langue en quatre groupes. D'accord ? Donc c'est d'où vient que la plupart des gens attrapent des problèmes de parce qu'ils mangent trop de sel ou trop de sucre ou trop de piquant, etc. C'est parce que justement c'est à cause de la langue. Quand vous mangez du sucre, vous mangez sucré, donc vous avez un stimulus sur la langue qui vous donne le goût agréable du sucre, du doux. Mais maintenant, quand vous avez mangé une certaine nombre de fois sucré, votre langue ne pense pas que c'est sucré. Elle ne trouve pas que c'est doux du tout. Donc vous augmentez la dose de sucre pour avoir plus. Donc ça fait qu'au niveau de la sensation linguale, vous avez besoin de plus de sucre ou de plus de sel ou plus d'acide, mais en réalité votre corps, lui, il n'en a pas besoin, lui. Donc les gens qui souffrent de problèmes de sucre, de problèmes de sel, etc., ça vient en général à cause de ça, puisque les gens ont un besoin d'augmenter la dose pour être encore plus stimulé au niveau du goût. Mais le goût, lui, il ne tient pas. Il a le sucre qui lui suffit. Et c'est la langue qui ne l'a pas. Donc c'est pour ça que vous avez la plupart des gens qui sont malades, justement, du fait de... parce que le goût qui les attire, c'est pas la réaction corporelle. Donc tu peux avoir même donc une extrême qui fait que le doux va te sembler amer et l'amer va te sembler doux. D'accord ? Et comme les gens qui mangent du piquant. Hein. Les peuples qui mangent du piquant, ben plus ils mangent piquant et plus ils en rajoutent. Puisqu'ils ont de moins en moins le sentiment que c'est piquant. Voilà, évidemment, ils te disent toujours, comme les Indiens, ils te disent le piquant tue les microbes. Donc, ils sont sortis du problème, tu vois. Tous les gens qui mangent piquant, ils disent non, piquant, c'est connu, c'est mauvais pour rien. C'est quand même. Il y a quand même des conséquences secondaires. Mais disons que le phénomène le plus grave dont parle le Rambam ici, c'est le sentiment que l'amer est doux et que le doux est amer. D'accord ? Vous voyez ça chez les gens très malades. Vous leur donnez une soupe ou un plat quelconque, ils trouvent ça. Ils n'ont pas le goût. Ils perdent le goût de la chose. Alors qu'un homme bien portant, il trouve que c'est exactement ce qu'il faut. Il faut peut-être rajouter un peu de sel ou un peu de poivre. Ça suffira. Donc ils te disent, c'est une maladie du corps d'en arriver à ce qu'il y ait une torsion dans le goût qui fait que le goût, l'amer devient doux et le doux est amer. Mitsairu anahut betsurat bilti nahut. Et donc ils décriront ce qui est convenable comme quelque chose qui n'est pas convenable. Donc par exemple, c'est quand les gens ils mangent dans les hôpitaux, dans les centres de vieux, non, en réalité c'est très bon pour la santé, puisqu'il n'y a pas trop de sel, pas trop de couleurs. Alors les gens bien portants, c'est infect ce qu'ils servent là-bas, dans les hôpitaux. Parce qu'en règle générale, c'est le moins dangereux possible. Enfin, comme nous, on a l'habitude de manger. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont l'assiette devant eux, ils vident la salière d'abord. Sans goûter, il y en a. Avant de goûter, ils vident goûter, la salière. Ils mettent le sel. D'accord ? Donc c'est une torsion. Donc ils te disent, au niveau du corps, les gens vont inscrire dans leur.
dans leur mental que ce qui est convenable, ils vont l'appeler non convenable. D'accord ? Quelqu'un, il va manger dans une maison diététique, hein, et il va ressortir de là-bas et dire oh, c'est moqué de moi, cette maîtresse de maison-là. Hein. Et pas assez de quantité, c'était pas bon. Alors que c'est évident que les quantités, on exagère dans les quantités. Ce dont le corps a besoin, c'est beaucoup moins que ce qu'on mange. Hein, c'est ce qu'on appelle en hébreu « achila gassa ». On mange, on se force. On aurait été au niveau réel, on aurait besoin de 50 grammes de viande. Et vous voyez des gens qui sont capables de manger un steak américain, un steak argentin de 50 cm de large. Et donc ils croient que c'est un signe de bonne santé. Et c'est pas sûr. Mais Techezak Tavatam. Et donc leur désir va s'accrocher. Le tirbe anatam, ils vont augmenter leur plaisir dans des choses qui ne sont pas du tout un plaisir pour les gens bien portants. D'accord ? Par exemple, les gens qui aiment manger gras ou manger trop brûlé ou trop sucré, etc. Ils ont l'impression que c'est ils ont bien mangé, alors qu'en vérité, quelqu'un en bonne santé aurait dit non, c'est immangeable, c'est trop doux. Donc tout ce que le Rambam est en train de t'expliquer au niveau du corps, tu vas le retrouver au niveau de l'âme. Mais Efchar, Sheyé, Bahem, Tsar, et il te dit, la folie va jusqu'au fait que les gens peuvent souffrir de ça, d'accord ? Les gens, ils savent que ça leur fait du mal. D'avoir exagéré dans le vinaigre ou le salé. Et donc, ils ne savent pas que c'est anodin. Eux-mêmes se rendent compte que ça leur apporte un malheur. Et les gens, ils vous disent, ah, j'ai pas fermé l'œil de nuit, j'ai eu une crise de foi. Ah là là, si vous saviez. Mmh. Ben, si vous avez une crise de foi, parce que vous avez mangé toute la tablette de chocolat. D'accord ? Laisser emporter à manger la tablette de chocolat. J'avais un ami, il adorait les œufs de poisson salés, vous voyez. Il était capable de manger une boîte entière de poisson salé, alors qu'il avait un problème cardiaque. Il ne devait absolument pas manger trop de sel. Donc il savait bien que ça lui faisait du mal, mais il le faisait quand même. D'accord ? Kahilat, Afa, il dit par exemple, on voit même qu'il y a des gens qui sont presque fous, puisqu'ils aiment manger de la terre ou des charbons, ve'advarim ha'futsim, mais des choses qui sont noires. Quand vous faites des choses qui fument, choses qui fument trop, c'est pas bon pour la santé, il y en a qui aiment ça. Le Rambam, il critique beaucoup les gens qui mangent des choses fumées. On voit que c'est les fromages fumés, les poissons fumés, les viandes fumées. Donc on te dit, si c'est fumé légèrement, alors ça va. Au contraire, ça évite de mettre dans l'eau et d'abîmer la chose. Il y a des gens qui aiment la chose carrément noire, comme du charbon. D'accord ? Il y a des gens qui aiment des choses trop acide. Rayotse Beilou, Minam Zonot, Asher Lo, Itavu, Lahem Abrihim. Il dit, il en est de même de tous les aliments que les gens bien portants n'aimeront jamais. D'accord ? Par exemple, le shawarma authentique égyptien, hein, c'était fait avec une boule de. C'était avec la queue de l'agneau. D'accord ? Dans le Beit Hamikdash, on n'offrait pas la queue des animaux, sauf la queue de l'agneau. Ah ouais. C'est une énorme queue qui n'est qu'une boule de graisse. Ouais. Donc on brûlait ça, et il y avait une partie qui revenait à ce que ferait un corban. C'était de la graisse. Or, le vrai shawarma
égyptien, ça n'est, c'est déjà du mouton en tant que tel, c'est pas de la dinde, comme les Israéliens. En plus, dessus, ils mettaient la queue. Donc la queue fondée, et c'était cette chose-là grasse que les gens mangeaient. Je pense aux assados. Donc c'est carrément cholestérol en concentré, quoi. D'accord ? Donc il te dit, il y a des gens, les gens bien portants, ils vont se dégoûter de ça. Mais il y a des gens qui aiment manger ça comme ça. Comme les Allemands, par exemple, ils mangent du gras à n'en plus finir. Cochonaille et compagnie. C'est ça qu'ils grossissent, parce qu'ils accompagnent avec la bière, au lieu d'accompagner ça avec du vin rouge. Donc, et c'est des millions de gens qui mangent ça. Voilà, vous allez à la fête de la bière à Munich, mais ils peuvent se goinfrer de viande pendant toute la nuit de la soirée. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens en bonne santé vous diront un peu de charcuterie, pas plus. Donc il te dit, donc la nature du corps, excusez-moi, la nature du corps en mauvaise santé, c'est justement d'aimer exagérer dans les aliments qui sont nuisibles, d'accord ? Et la preuve, c'est que les gens bien portants, eux, ne les aimeront pas, ces choses-là. Donc il dit, c'est le test. C'est le test. Si tu vois que quelqu'un qui est en bonne santé n'aime pas cette chose-là, c'est probablement que c'est pas du tout diététique, c'est pas bon pour manger. On voit bien que la plupart dans toutes les civilisations, il y a des gens qui fautent dans l'alimentation, en fait. C'est évident. Ouais. Les gâteaux à la crème, aucun médecin vous dira que c'est bon. Mais les gens aiment ça. D'accord ? Aval, imasu tam, ko ken cholena nefashot. Eh bien, il te dit, les gens qui sont en bonne santé vont être dégoûtés de ces choses-là, et il en est de même des maladies de l'âme. Rotsoninomar, je veux dire par là, Araim, ou Vale Midot Araot, les gens méchants, qui ont du rat en eux, ça existe. C'est pas une insulte qu'il est en train de dire le Rambam. C'est une constatation, d'accord ? Il y a des gens qui sont rats. Ça veut dire que, par nature, ils ont une comme les enfants, ils ont une nature égoïste, de casser, de ne s'occuper que de soi, que de... D'accord ? Vous avez déjà vu un enfant qui aime manger quelque chose qui est bon pour la santé ? Non, les enfants, ils aiment les bonbons, ils aiment les cornichons, les olives... Ouais. Tout ce qui n'est pas bon pour la santé, ils aiment. Ouais. Alors, donnez-leur quelque chose qui est bon pour la santé, et on va dire que j'ai pas faim. J'ai faim pour du chocolat. Ouais. D'accord ? Et en plus, au niveau des midotes, les enfants, ils sont méchants. D'accord ? Ils aiment casser, ils aiment faire de la peine, ils aiment vexer, ils sont impitoyables. Pardon ? Tous les pauvres. Tous. Ah, si. C'est le chinour qui va les changer. Si. Mais sinon, par nature, ils sont comme ça. C'est très, très, hyper rare de voir un enfant qui va être délicat, qui va éviter de vexer. Qui va... Au contraire, ils n'ont aucune pitié, les enfants. Aucune pitié. Ils vont vous dire pourquoi tu as un bouton sur le... Alors que personne n'ose en parler. Ils vont voler, le bien de l'autre, etc. Donc c'est grâce à l'éducation qu'ils vont rectifier. Donc le mal, en fait, il est inhérent à l'individu quand il naît. Donc les gens ont des mauvaises qualités quand ils naissent, ou bah les midot harot, et donc ils deviennent propriétaires de mauvaises qualités. Yedamu bema sheura. Alors l'extrême, c'est que ils s'imagineront que ce qui est mauvais, eh ben c'est ça qui est bon, d'accord. Donc c'est-à-dire quand vous n'avez pas travaillé
à éduquer les midot depuis qu'elles sont jeunes, vous arriverez à une situation comme celle d'aujourd'hui dans le monde, ce que dit le prophète. Qu'on arrivera à une situation où le mal sera appelé le bien, et le bien sera appelé le mal. D'accord ? Donc là, il te parle au niveau individuel, que la personne s'imagine que ce qui est mal, ce qui est mauvais, eh ben c'est top, c'est bon. D'accord ? Livre la volonté de laisser tout faire. On dit quand on laisse faire tout, on devient libre, on devient démocrate, on devient heureux. Et c'est faux, entièrement. C'est faux. Il faut des limites. Plus le temps passe et plus les gens clairvoyants disent mais c'est complètement absurde de dire que tout ce qui est permis, c'est ça qui amène le bonheur. Ben non. Pas du tout. Et là, on arrive à un stade encore plus grave, c'est le stade du crime, de vouloir tuer les malades maintenant. Parce qu'il y a des malades qui dérangent, parce qu'ils sont vieux, ils ne servent à rien, il n'y a aucun espoir de guérison. Donc ils sont en train de légaliser ce qu'ils appellent les morts par amour. Les morts rendre service, soi-disant. En vérité, ça vient de quoi ? Ça vient de la vision classique, que la vie, elle est faite pour moi, pour ma tronche, que mon nombril à moi. Et donc, mon grand-père qui me dérange, il ne sert plus à rien dans la société, il prend un lit d'hôpital pour rien. Donc, ce serait bien peut-être de le libérer. Ah. En réalité, c'est pour camoufler que les gens n'ont pas envie de s'occuper d'un vieux. C'est tout, ils ont envie de s'occuper de leur peau. Et cette légalisation, c'est en Israël de... Ah bah oui, là, ils sont en train de le faire en Israël. C'est Madame Tzipi-Livni qui est en train d'organiser ça. Le ministre de la Justice. Mais ça existe déjà dans tout l'Occident. Ce qu'on appelait l'euthanasie, d'accord ? Bah, là, ils appellent pas comme ça, ils appellent ça... Ils camouflent le nom. En disant, la personne souffre, on le sait, alors il vaut mieux la tuer. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? C'est pas en vérité réellement, c'est pas du tout un intérêt pour la personne. C'est un intérêt pour les vivants qui ne veulent pas se casser la tête. Qui ne pensent pas que la vie est une valeur en soi. La vie n'est une valeur que si on peut vivre comme des jouisseurs. D'accord ? Qui te dit, on arrive à une situation où la personne, à l'extrême, va donc considérer que ce qui est mal, c'est bien. Ce qui est bien est mal. Donc, l'homosexualité, ils me font rire, moi, dans les médias, quand ils vous disent les viols. Mais tu fais tout pour qu'il y ait des viols. Tu t'attends à quoi ? Qu'il n'y en ait pas. Tu laisses la société faire ce qu'elle veut, tu laisses la porte ouverte, après tu dis, mais quelqu'un, il a volé. Ben oui, la porte était ouverte. La brèche attire le voleur. C'est évident. Donc, il te dit, tout ça, c'est une maladie de l'âme, une maladie mentale, en fait, qui consiste à considérer le bien comme mal et le mal comme bien. Uvema ou tov, et ce qui est le bon, sheura, ça s'appelle le mal. D'accord ? Bon, comme la querelle qu'il y a aujourd'hui en Israël contre le monde orthodoxe, vous voyez. Statistiquement, c'est bien connu que dans les quartiers où il y a des gens qui respectent la Torah, il y a moins de vols, moins de viols, moins de bagarres entre les habitants, il y a plus de respect, parce que la Torah vous discipline. Quand tu vous es discipliné, automatiquement, tu as moins de risque de devenir un criminel. Quand tu travailles sur toi, tu as moins tendance à régler tes problèmes avec un couteau ou un rang ou une barre de fer. Donc statistiquement, ils le savent.
Et c'est pour ça que les médias qui sont des ordures, ils arrivent souvent, ils vous disent c'était à Bnei Brak, ou Bnei Brak, Bnei Brak. En réalité, c'est pas Bnei Brak, c'est Pardes Katz. Pardes Katz, c'est le fief qui est dans la zone municipale de Bnei Brak. Mais ça n'a rien à voir avec la ville religieuse de Bnei Brak. C'est une ville de bandits, il n'y a que des gangsters là-bas. Enfin, beaucoup de voyous. Donc, pour ne pas dire Pardes Katz, pour salir les orthodoxes, ils disent c'est à Bnei Brak. Alors, vous voyez, c'est pas du tout Bnei Brak. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a cette volonté de dire que le système de vivre dans la Torah, c'est un système mauvais. C'est pas bon. Alors que, historiquement, statistiquement, vérifié noir sur blanc, que dans un quartier où il y a des gens qui respectent le judaïsme, il y a moins de danger de se promener la nuit ou de laisser sa porte ouverte, que dans un quartier où il y a des gens qui visent après le laisser aller total. À Paris, il y avait un commissaire de police qui m'avait dit mais nous, on est intéressés à ce qu'il y ait des juifs religieux qui habitent dans ce quartier, parce que ça va assainir le quartier. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Quand vous habitez à Williamsburg ou à Borough Park, il y a beaucoup moins de crimes et de viols et de cambriolages que dans le Bronx. Pourquoi ? C'est le mode de vie des gens, c'est tout. C'est évident. Le mode de vie fait que les enfants respectent leurs parents, les jeunes respectent plus les vieux, les femmes et les hommes ils se regardent pas avec des airs insolents. Donc c'est automatique, c'est statistique. Mais le monde occidental, qui est un monde malade, complètement malade, d'accord, comme disait l'autre, ils soutiennent en mordicus que le système de la tradition, c'est rat, c'est pas bon. Et envoyer balader la tradition, c'est top. Donc ça veut dire que c'est une maladie. De ne pas se rendre compte d'une évidence aussi puissante. D'accord ? Donc il dit, ça c'est au niveau individuel, et après ça se traduit au niveau d'un État, quoi. D'accord ? Ve'adam hara itave le'olam aflagot. Et il te dit, l'homme attiré donc dans le mal, il t'avait, le olam, il voudra toujours les aflagot, c'est-à-dire des choses extrêmes. Il sera attiré par l'extrémisme. D'accord ? Donc, une des définitions du mal, c'est l'extrême. D'accord ? Hachem aime bien mettre à haute et les extrêmes sont réellement mauvaises. Vidame bavo choli nafsho, shentovo. Il va s'imaginer, à cause de ça, de la maladie de son âme, que ce sont des bonnes choses. D'accord ? C'est d'ailleurs ce qu'on voit à Purim. Hein ? À Purim, là. La grande discussion s'il faut boire ou pas à Purim. Donc c'est évident qu'il ne faut pas boire à Purim si on devient saoul et qu'on perd le contrôle. C'est-à-dire que c'est une attirance mauvaise, hein, c'est un caractère mauvais d'aimer l'extrême de la boisson. C'est pas une mitzvah, ni une midat hassidut, ni un comportement pourimesque. C'est stable, c'est un défaut. Un défaut de vouloir exagérer. Pourquoi ? Parce qu'on cherche, encore une fois, le rigouche, on cherche s'éclater, quoi. On cherche à sortir de ses limites, mais sans savoir où on va. Alors, comme on est malade, alors on dit, bon, bah, tiens, ça tombe bien, il y a pourri. Mais
personne ne va te dire que c'est recommandé d'en arriver là. Si boire fait que tu vas sortir des secrets de la Torah, tu vas aimer ton prochain davantage, tu vas sortir ton porte-monnaie pour aider ton prochain, bravo. L'alcool a eu un effet de tikkun, de réparation. Ouais. Si c'est pour devenir vulgaire et vomir et après mal le lendemain comme les Parisiens après le réveillon, hein, parce qu'ils sont complètement avec la gueule de bois, ça aura prouvé que tu as raté complètement ton bourrime. Donc c'est une phrase claire du Rambam ici. D'accord ? Et comme les malades physiques, quand ils vont savoir leur maladie, et qu'ils ne connaissent pas le métier de la médecine, ils vont donc demander au médecin, et ils vont, les médecins vont leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ils les mettront en garde de ce qui leur semble être doux, ils vont les attirer à faire le contraire de ce que leur maladie a. D'accord ? Ils vont les obliger à prendre des choses qui sont pour eux dégoûtantes. Hein ? Eux, ils aiment les choses amères, on va leur faire manger des choses douces. Et ils aiment des choses douces, on va leur faire manger des choses amères. Mais à Marie, Machi, Abriou, Goufotam, jusqu'à ce que les médecins vont guérir leur corps. Voyachouvou, Lifror, Batov, Limos, Bara. Et donc, à force d'aller de l'autre côté, ils vont finir par haïr le mal et à choisir le bien. Ouais. Ça c'est dans la médecine. C'est pour ça que avec le temps, aujourd'hui la plupart des médicaments ils n'ont pas de goût, ils ont un goût doux pour que les gens les prennent, etc. Alors qu'à l'époque c'était pas du tout comme ça, c'était un exercice quoi. On te donnait une potion amère pour que tu t'habitues à te dégoûter du sucre. Donc il y avait un caractère, de gymnastique de volonté dans le médicament. Alors qu'aujourd'hui, avec la paresse de la société, on va de plus en plus vers des médicaments faciles à avaler, qui n'ont pas de goût, nanana, nanana. D'accord ? Parce que les gens ont de moins en moins envie de prendre une gymnastique de potions amères. Hein ? Il y a un médicament que je prends là, pour la voix, là, parce que j'ai un problème de voix. Alors ils te disent en long et en large, faites très attention, c'est amer, mettez-vous près du robinet si vous vous sentez pas bien. Enfin, moi je me dis, ça doit être vraiment l'enfer, quoi. Hein ? Moi qui ai bu dans ma vie de l'huile de ricin et de l'huile de foie de morue. Ah oui. Hein, c'est de la rigolade ce truc-là. C'est amer, bon, ça va, 10 secondes, ça y est, c'est fini. Mais la société est tellement habituée à ce que le moindre désagrément, ça devienne un drame, qu'il t'en parle pendant 3 pages pour te dire si ça vous est vraiment désagréable, essayez de. Ça va. Il y a quand même des problèmes plus graves que 3 secondes de quelque chose de dégoûtant. D'accord ? Donc le Rambam, il te dit, donc, la médecine de mon temps, c'est une médecine où on oblige à aller de l'autre côté, aller à l'extrême. Volontairement, c'est-à-dire. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce que, effectivement, tu vas à nouveau vouloir le bien et être dégoûté par le mal. Il est dit de la même chose des maladies de l'âme.
Tsarich lahem shishalua chachamim. Comme tu aurais demandé à un docteur, un médecin, pour une maladie physique, il te dit qu'il faut demander à des chachamim pour des maladies morales. Ce qui n'est pas souvent le cas. C'est rare que les gens demandent à un rav ou un, ce que je sais, un mashpia ou un conseiller, comment me débarrasser de l'orgueil. Je voudrais me débarrasser de l'orgueil. Je voudrais me débarrasser de la mon avarice. Je suis très avare, j'ai beaucoup de mal, j'ai horreur de la tzedaka. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Jamais vous voyez ça. Hein? Pour un oui, pour un non, les gens ils vont à la coupe à trop libre demander un truc. Ouais. Donnez-moi un papier pour ça. Parce que j'ai un doigt de pied qui est drôle. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui cherchent à se soigner l'âme par la Torah? Non, ils veulent encore une fois kiffer. Hein? Chez les chassidim, le principe de l'Aïd Vahadout, le fait de se rassembler, c'était pour quoi faire? C'était justement, c'était pour se redresser. Ouais. Mais aujourd'hui, oh, il va voir que quelqu'un veuille redresser quelqu'un d'autre. Ouais. On est là pour boire et manger, et puis shalom à l'Israël. Donc le Rambam, il lui dit, non, mais pas du tout, tu dois aller voir un chacham pour lui demander des conseils pour devenir moins méchant, Je suis d'accord, j'étais chez mon rave aujourd'hui pour les mêmes raisons. Pardon ? Ouais. Je suis d'accord, j'étais chez mon rave aujourd'hui pour les mêmes raisons. Eh ben, très bien. C'est bien d'avoir des exceptions. Et il te dit, ils vont demander aux sages, Shem, Rofe, Anefashot, qui sont les médecins des âmes. Yazirum, Minaraot, et ils vont les mettre en garde. Des mauvaises choses, un Asher Yarchevou Baed Shem Tov, qui s'imaginent être des bonnes choses. Ils vont leur dire, voilà, ça tu crois que c'est bien, et bien c'est pas bien. Ça tu crois que c'est pas bien, et bien, ça c'est bien. On va le remettre sur les rails. Mirap ou Otam, ils vont les guérir. Ma Melacha Asher Yarapou Ba Mitot Anefesh, avec les méthodes avec lesquelles on soigne les caractères de l'âme. Asher Eskeraya Maperek Shaharze, et tout ça je vais l'expliquer dans le chapitre qui est après. Omnam, malgré tout, Choli Anefashot Asher Loya Gishubach, Choli Amidamubo Sheu Briout, donc il te dit, les maladies de l'âme, il arrive quelquefois, c'est pas comme dans les maladies du corps. Dans la maladie du corps, en règle générale, les gens ont mal, quelque part. Donc, comme ils ont mal, ils vont se plaindre. Ouais. Mais il dit, dans les maladies de l'âme, les gens ne sentent rien, ils ne sentent pas une douleur. Quelqu'un qui est un avare, qui est incapable de, comment on dit, dans la blague, il y a une mouche qui s'est perdue dans le portefeuille de l'avare. Elle est restée 8 jours dedans, quoi. Elle a pu respirer 8 jours après, il a ouvert le portefeuille. Donc il te dit, celui qui est avare ou qui est orgueilleux ou vaniteux ou méchant, etc., il ne se rend même pas compte. Il ne s'en rend pas compte, donc il ne peut pas, comme une douleur physique, dire « Aïe, 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 j'ai mal, je vais aller voir le docteur. » Il a pas mal. En règle générale, il a pas mal. Si tout le monde lui fait la tête parce qu'il est désagréable, il y aura, tous les gens sont tordus. Il va pas dire « C'est moi qui dois être tordu, je dois avoir mal dans l'âme. » Il dit « Non, non, tous les gens sont tordus aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord ?» Donc il te dit « C'est ça l'inconvénient des maladies de l'âme. » C'est qu'on ne s'en rend pas compte. Oh, il y a Gishubo, ou alors les gens vont les ressentir. Mais l'eau est trapeau. Et ils n'ont pas envie de se faire guérir de ça. Acharitam, d'accord ? Macheti, acharit, acholé. Et en fin de parcours,
qu'est-ce qui va se passer? Ce qui doit arriver en général chez un malade, quand il continue à se faire plaisir dans les mauvaises choses qu'il mange, velo il trapait, chez Ouyamout, il en mourra. Donc le Rambam, il te dit, comme dans les maladies physiques, si quelqu'un ne veut pas arrêter de manger quelque chose qui ne lui convient pas, il te dit, il en est de même dans l'âme, que s'il ne veut pas se guérir de cette mida, il en mourra. D'accord ? Sans aucun doute. D'accord ? Aval, amargishim, mais les gens qui ressentent, ve'em nimshachim achar anaotehem, ils ressentent, mais seulement malgré tout, ils sont attirés par leur plaisir. Amra ba'en Torah amitit, mais ça peut être d'Ibrahim. La Torah raconte ce qui se passe à leur propos. Elle te dit « Kibi shrirut libi eler » là-bas, dans le parashat Nitzavim, la Torah te dit « Je serai heureux quand je ferai ce que je veux, quand j'irai après les élans de mon cœur. Shalom yeli, j'aurai la paix, j'aurai la shlemut, la tranquillité, quand j'irai d'après ce que mon cœur a envie. » Le ma'an sefot arava et atzmea. Il dit, et tout ça c'est pour en arriver à ce que la soifée aille au détriment de la comment on appelle ça, non, la rassasiée aille au détriment de la soifée. Retsoni lomar, bon, je veux dire par là, Shehu mechavel leravot smao, il a toujours l'intention de se désaltérer de sa soif de mauvaises choses, mais au motif le atzmo tsama, et au lieu que ce soit que cette soif se calme en buvant, ça lui donne encore plus soif. Donc c'est un grand principe de la maladie de l'âme. C'est qu'il te dit, plus tu as envie de faire de te satisfaire en faisant une avéra, et plus tu as envie de refaire encore une autre avéra. C'est pas que tu es, ça y est, tu es calmé, tu es bon, comme quelqu'un qui a mangé, voilà, bon, Hachem, il a bien mangé, allez, Birkat Amazon, il peut s'occuper d'autre chose. Pas du tout. Le fait que tu as satisfait à cette volonté du mal, ça donne encore plus soif de faire encore du mal. Comme le principe du coca. Alors, hein. Pourquoi le coca, ça a marché? Parce que ils mettent du gaz pour que vous oubliez qu'il y a du sucre. Donc quand vous avez fini d'en boire, ben, vous avez encore plus soif puisque vous avez mangé du sucre, vous avez bu du sucre. Et donc c'est le piège, puisque vous croyez vous êtes désaltéré parce que c'était gazeux, mais en vérité le sucre qui était dedans vous donne à nouveau soif, donc vous allez recommander un autre coca. D'accord ? Elle a été la même chose, quand quelqu'un fait du mal, il dit je vais faire du mal et je vais être bien. Je vais être tranquille, je vais faire ce mal, ça va me libérer, ça va me permettre de m'exprimer comme je veux. Il dit bravo. Mais une fois que tu l'as fait, tu as à nouveau envie d'une nouvelle dose de mal. Tu n'as pas du tout calmé ton mal. Donc il dit, c'est afin de donner soif à celle qui est déjà altérée. Ça lui donne encore plus soif. Comme ça, te dit le Rambam. Donc c'est dans un passouk dans la parashat Nitzavim là-bas, qu'on lit avant au Shoshana. Al she'einam margishim adavar, mais les gens qui ressentent rien, Amar Shlomo Ameler, Shlomo a dit, Alav Shalom Aleim, Derech Evil Yashar Beinav. Il dit, celui qu'on vient de voir, il va se rendre compte que plus ça va et plus son matzav s'aggrave, donc il va essayer de changer. Il dit, mais il y a plus grave que ça, c'est celui qui est persuadé, Derech Evil Yashar Beinav. Le chemin
de la crapule, c'est un chemin qui est droit à ses yeux. Hein? Mm-hmm. On parle d'une crapule qui ne se rend même pas compte qu'il est crapule. Et au contraire, il croit qu'il fait bien. Comment est-ce qu'elle peut se corriger, cette personne, alors? Ah oui. Mais Shomea Leitza Chacham, il dit, alors que le Chacham, lui, il écoute les conseils. Donc, une personne peut se corriger quand elle se... Dès qu'elle se rend compte qu'elle a une moindre maladie de l'âme, tout de suite, elle doit aller voir le Chacham pour dire... Je sens que je suis en train de filer du mauvais coton, je suis sur une très mauvaise pente. Sinon, sa situation va s'aggraver à tel point qu'il va être persuadé que ce qu'il fait est bien. En plus, il est dans une société où plein de gens font ça aussi, donc il ne voit pas en quoi il est bizarre. Ratzal Omar, Shomea Latza, Chacham, Chacham, il dit, qui est-ce qui peut écouter le conseil du sage? Le sage. Mipnei Sheyodienu Aderer Sheu Yashar Behemet, parce qu'il va lui donner il va lui conseiller le chemin qui est bon. Donc c'est-à-dire qu'en vérité, il faut un minimum de conscience pour en arriver à vouloir changer, comme te dit le Rambam. Celui qui n'a pas la conscience, qu'il est mal, alors, il bougera jamais. Au moins qu'il y a un réveil d'en haut qui lui tombe dessus, quoi. Lo asher yachshevehu hu yachar, il sait que c'est pas ce qu'il pense lui qui est droit. Amar yesh derech yachar lifneish, parce qu'on dit qu'il y a un chemin droit devant l'homme. Vacharita darkem avet, il dit, il y a un chemin droit qui est devant l'homme. Mais quelle est la fin de ce chemin droit? C'est la mort. C'est-à-dire que celui qui croit qu'il est droit, lui, qu'il sache qu'il n'est pas droit. Parce que tout individu doit se dire, mais c'était impossible que je n'ai pas un défaut qui m'empêche d'améliorer mon éfèche. Donc il va avoir un chacham qui va lui dire. Alors que celui qui est dans le mal, il est persuadé qu'il est droit. C'est pour ça que quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit... Mais moi, je suis très bien. Je parle pour toi, moi, je suis très bien. Alors lui, il est dans un matzav très grave. Quelqu'un qui s'imagine qu'il est très bien, c'est qu'il est vraiment très mal. Et donc, dans ces maladies de l'âme en question, biotam biltiodim ma yazikem, étant donné que les gens ne savent même pas qu'est-ce qui leur fait du mal, ou maïo il aime, mais qu'est-ce qui peut les aider, Berech Eshaim Kaafela, c'est connu que le chemin des méchants, c'est un chemin qui est toujours dans l'obscurité. Loyadou, Bamei, Kachelou. Et comme ils sont dans l'obscurité, ils ne savent pas dans quoi ils trébuchent, puisqu'ils sont dans le noir. Donc ils peuvent trébucher à n'importe quel moment, ils ne s'en rendent même pas compte, ils sont dans l'obscurité. Ah, mais les quatre fois, t'as une fachante, il te dit, le métier de soigner les âmes, c'est un métier aussi. Ça n'existe pas qu'il y ait un néfèche qui n'ait pas besoin d'un médecin de l'âme. Ça n'existe pas. Tout néfèche a besoin d'un médecin de l'âme. Mais évidemment, il faut chercher ce médecin de l'âme. Alors, il y a des gens... Même les gens qui vont voir des rabbinis ou les gens qui allaient voir les rabbis, c'était pas spécialement pour aller chercher un derrière dans la voie d'Hachem. La plupart c'était pour avoir une bracha, pour avoir de l'argent, ou pour une maison. Ils servaient du rabbi comme un conseiller économique, quoi. D'accord ? Et alors, est-ce que tu as lu les livres, les sikhot, les mamarim ? On t'explique comment il faut servir Dieu. Non, moi je connais le rabbi parce que je lui ai demandé plusieurs fois des dollars, quand j'ai déménagé. Mais non, mais le rabbi c'est un médecin de l'âme, il est là pour te... En passant, il peut bien te donner des conseils pour faciliter ton travail. Mais ce n'est pas la raison d'être d'un rabbi de donner une bracha pour une maison. Qui on a maintenant?
Si. Qui on a maintenant pour le conseil? Il y a toujours le rabbi, mais les gens dans les grottes Kodesh, vous croyez qu'ils demandent. J'en connais très peu des gens qui disent comment devenir moins orgueilleux et moins avare. Ils disent toujours, j'ai d'acheter une maison, est-ce que c'est $1 million ou 2 millions? Pourquoi vous voyez? Bah oui. Je dois acheter une maison à $2 million. Dois-je sortir mes espèces de mon compte ou dois-je vendre un autre appartement? Donc c'est pour ça qu'il te dit le Rambam que la maladie de l'âme, tu dois rechercher un médecin de l'âme. Donc c'est-à-dire quand tu vas à un chiot de Torah, en fait, tu ne dois pas essayer d'aller régler des problèmes matériels, financiers, etc. Mais tu dois essayer de voir comment tu peux soigner ton éphèche. Et les gens se trompent complètement parce qu'ils s'imaginent que la préoccupation dans la vie, c'est de quoi manger, de quoi. Et c'est pas ça. Dieu, il donne ça. Tu n'es pas venu sur terre comme une vache ou un kangourou pour manger, chercher à manger. Tu es venu sur terre parce que tu dois changer ton éphèche et la société qui est autour de toi, et tu dois faire du bien. Et donc, pour cela, Dieu te donnera ce qu'il faut. Mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. T'imagines que toute la vie, c'est de chercher à manger, de chercher à régler les problèmes matériels. Mais non, ça c'est les conditions pour travailler. Donc, si tu t'occupes de la kavana, pourquoi Dieu il t'a mis sur terre, t'inquiète pas qu'il va s'occuper aussi de ce qui est autour. Mais toi, occupe-toi de changer le monde qui est autour de toi, etc., d'améliorer les conditions du monde. Voilà, ça c'était le troisième chapitre. Mais nous, des fois, je vous remercie de votre attention. Ouais. Mais nous, des fois, avec les copines, on demande si on a vexé.